troisième arrivée au sprint et troisième victoire pour l'Allemand John Degenkolb dans les rues de Saint-Rémy-de-Provence tout à l'heure. Le leader de l'équipe Giant Shimano, maillot jaune depuis la première étape, n'en finit plus d'écraser la concurrence. Bien aidé par une équipe dynamique qui a cadenassé les derniers kilomètres. L'étape de 63 km au départ de Lambesc a dépassé toutes les prévisions en matière de vitesse moyenne. Une échappée de 5 coureurs dans les premiers kilomètres et la côte de Lambesc a lancé l'épreuve. Les 5 parmi lesquels le Colombien Pantano, maillot rouge de meilleur grimpeur, héros de la deuxième étape hier, et le jeune Français Michael Schérel de la G2R. Ils ont tout tenté durant une quarantaine de kilomètres avant d'être repris juste avant les Baux-de-Provence par le peloton. John Degenkolb assoit un peu plus sa domination avant l'épreuve du chrono cet après-midi. Il remporte ce sprint devant le Norvégien Thor Hushovd.